Ouais, ça revient même. Salut les geeks, c'est Kant pour 4geeks.fr. Donc là, je reviens de recevoir ma box du mois de... Attendez, que je dise pas de bêtises. Il est où le mois sur la box? Mois de décembre, la box de décembre. Donc il y a toujours un petit mois de décalage. Donc en fait, nous sommes le 10 janvier. Ouais, ça va, elle a pas mis longtemps par rapport à l'autre qui a mis quasiment plus d'un mois. Donc, ouais, j'ai pas eu le temps de regarder la thématique parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Et je pensais pas qu'elle arriverait aussitôt. Donc, comme d'habitude, elle est scellée vite fait. Là, aujourd'hui, elle est un peu scellée vite fait. Mais en fait, elle est un peu plus grande que les autres. Elle fait deux fois la taille des autres. Je sais pas, donc je sais même pas ce que c'est. On va aller voir la surprise. Donc, attention. On va faire comme ça. Comme ça. Ah, monsieur M, il est pas là, il est à l'école. Donc, voilà. À mon avis. Sinon, j'aurais dû la faire avec lui. Mais. Oh là, ça a l'air d'être. Eh merde. Attendez, excusez-moi. Donc, je récupère le t-shirt. Donc, apparemment. Viking. Ah non, Donjons et Dragons. Oh, il est pas mal. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez quelque chose. Et en fait, vous avez un nain avec une hache sur le côté, juste ici. Avec les dés, le ouais, donjons, en fait tout ce qui représente des coffres, des haches, des monstres, du stuff, un campement, l'équipement, il est pas mal. Après, nous avons toujours d'accord, Bumblebee, j'avais pas vu, excusez-moi, c'est voilà. Des pins, apparemment c'est des pins, parce que derrière je vois il y a des pins, donc apparemment, ah c'est fermé, ah zut, parce que je vois pas ce que c'est en fait, ah, attendez je vais essayer de l'ouvrir, mais déjà il faut que je trouve le, voilà on va regarder ça vite fait, donc voilà, ah ouais, donc nous avons 3 pins autobons, nous avons donc Bumblebee en forme robot, nous avons Bumblebee en forme voiture, et nous avons le symbole des autobots, j'allais dire Decepticons, mais non, des autobots. Ouais, des petits pins sympas. Donc, on va voir le reste. Hop, ah, non, là, nous avons un loot pins. Donc, Lost of the Space. La petite série qui est sympathique de Netflix, franchement, la première saison est sympa. Avec le garçon, le robot, franchement, j'ai bien adoré. J'espère que la deuxième saison va pas trop tarder. Attendez. Oh là, c'est quoi ça? Non, le cache, en fait, le bandeau de Snake dans Escape from New York. Donc, New York, je sais plus c'est quoi. C'est New York et Los Angeles. Film de Carpenter, très très jeune Carpenter, très très sympathique, franchement. Moi, j'ai bien adoré son univers. Là, c'est pour les plus... Ah, par contre, il y a une grosse boîte. Là, nous avons... Fallout, donc Fallout, je sais pas comment on se dit ça. Fallout, voilà, c'est Fallout, comme dirait monsieur Nex. C'est Fallout, c'est pas Fallout. Donc nous avons le petit bonhomme. Oh, j'aime bien ça, moi j'aime bien ça. Ces petites. Plus la thématique, pas la thématique, le monde de ce jeu est très. J'aime bien cet univers là. Je sais pas si je vais me prendre le prochain, là, du moins le prochain qui est sorti il y a quelques temps déjà. Mais on m'a dit que c'était beaucoup de la coopération, donc moi je sais pas trop coopéra. En fait, j'aime pas jouer avec du monde. Je préfère jouer tout seul. Ça évite. Oh merde. On va voir si ça peut se placer. Voilà. Ouais, ça a pas l'air super. À moins que je l'ai mis à l'envers encore. Ah non, c'est pourtant dans le bon sens. Ah oui, d'accord. Non, attends. Je suis teubé ou je suis teubé? Attends. Non, c'est comme ça. Non. Ah merde. Attends, est-ce que ça. Non, non. Oh, j'ai pression. J'espère que je vais pas le teuper comme les autres petites figurines. Attends. Voilà. Ah ouais, ça tient quand ça le temps. Ouais, ça tient pas, c'est chelou. Voilà. Donc là, nous avons. Excusez-moi, je fais un petit tour de. Voilà.
D'accord, très sympathique. Nous avons, je vais le mettre de côté vite fait. Ça va finir dans la bibliothèque. Il y a quoi d'autre là? Il y a quoi d'autre là? C'est... Ah! Junk Carpenter. Par contre, Donjons et Dragons, je comprends pas. Escape offre New York. Mais... C'est quoi le film en fait? C'est New York quelque chose. C'est pas chez nous, ça passe. C'est pas ce mot-là. C'est pas comme ça que ça s'appelle. New York quelque chose. J'ai encore des trucs derrière. Ça c'est quoi? Ça doit être le fascicule. Ça c'est quoi? Par contre, Donjons et Dragons, j'ai pas compris en fait. Merde. Ah, la poisse. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à récupérer. Ah, encore ce truc-là? J'ai déjà eu ça dans le mois dernier. Donc il faudrait que je regarde exactement ça correspond à quoi. C'est des plats cuisinés, je crois. Mais je sais pas s'ils livrent jusqu'à en France. Vu que ça doit être anglais ou canadien. Attendez. Le petit, je crois. C'est le petit Sky. Ah. Non, c'est Scavenge. Je sais pas en fait. C'est peut-être sauvé ou. Alignement. Donc nous avons le t-shirt. La petite figurine. Espèce de. Je sais pas, ça doit être un tapis de souris ou une affiche peut-être. Et là. Ah, celle-là, je l'ai vu passer il y a pas longtemps à mon travail. Mais après, c'est à mon travail. Je crois qu'il y a encore autre chose ou pas. Ah, non, nous avons rien. Donc, par contre, la boîte est intéressante. Regardez. Nous avons du Bubble Bee. En forme comme ça. Et là, nous avons. En forme comme ça. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Donc, c'était Kant pour 4geek.fr. Donc, là, je vais faire les photos vite fait. Comme ça.